Hello, bonjour à tous, les amis, c'est Aventure Mode toujours prêt, qui relance enfin le let's play de Sims 2 au fil des saisons. Ah, ça y est les amis, j'ai enfin retrouvé un casque avec un micro, donc celui-ci il est un petit peu moins pourri, mais voilà, autant vous faire avec, hein. Donc c'est un micro, donc au moins dès qu'on a le matériel, au moins ça sert à quelque chose. Alors comme vous voyez, nous nous retrouvons sur le quartier Terbit, ce que j'avais montré. Alors avant le quartier était bien, mais... j'ai enlevé toutes les familles parce que vous voyez, il me manque un peu pas si je commençais un petit peu à m'ennuyer. Alors, pour pouvoir attraper le retard qu'on avait cumulé durant 3 ans, et ben les amis, aujourd'hui, il y aura 3 vidéos qui sortiront. Comme ça, on rattrapera à peu près tout ce qu'on a manqué. Ça veut dire qu'on recréera une maison, on recréera une famille, et on recommencera la vie quotidienne, ainsi de suite. Et peut-être, si la série porte un succès, je ferai les Sims 2 Université. Ça dépend de votre avis, hein, les amis, hein, de toute manière. Donc c'est à vous de voir ça, vous me direz dans les commentaires. Alors, je vous rappelle, le jeu des Sims 2, c'est un jeu de simulation de vie sociale, parce que vous créez des mises, vous créez une maison, voilà. C'est comme la vie quotidienne que je vis moi et comme vous tous les amis. Alors au fil des saisons, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'au fil des saisons, vous verrez régler les saisons à votre manière en appuyant sur ce bouton ici. Voilà. Donc par exemple, la première saison, c'est celle-ci. Ça fonctionne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, la première saison qui commence dans le quartier, c'est l'automne. Après, c'est l'été. Après, c'est le printemps. Et enfin, c'est l'hiver. Et une fois que vous avez bien réglé, vous pouvez appuyer juste ici. Pour changer, vous appuyez juste là, voilà. Et clic gauche, hein, pas clic droit, et vous choisissez la saison que vous souhaitez. Une fois que vous avez choisi votre saison, là, moi je m'étonne, vous appuyez sur OK, ça remettra une petite icône. Donc voilà. Donc, pour commencer, voilà, donc je vais appuyer sur le menu principal. Voilà. Alors, si vous voulez créer un quartier, c'est pas bien compliqué, les amis. Vous appuyez ici, voilà. Vous choisissez votre terrain que vous souhaitez. Voilà, il y en a plein. Voilà, par exemple, moi je vais prendre, voilà, celui-ci. Vous choisissez votre nom de quartier. Vous mettez la description si vous souhaitez et vous pouvez choisir comment il sera le terrain. Hein, désertique comme ici, par exemple. Le béton, et ce sera tout gris. La terre, c'est comme ici, dans le quartier Terreville, ou verdoyant, du vert. Après, vous appuyez sur OK et ça crée votre quartier. Mais moi, je vais changer, je ne vais pas créer le quartier, puisque j'ai de la place là-dedans, on va pouvoir commencer à créer. Alors, ensuite, vous avez plusieurs icônes. L'icône famille, vous avez aussi l'icône terrain, avec... vous pouvez choisir les maisons. Alors, attention les amis, je vous préviens d'un petit détail. Si vous avez les Sims comme moi, il y a des cas, il y a des choses parce que vous ne pourrez pas installer vos Sims, par exemple celui-ci, le piste à grande vitesse. Voilà, si vous appuyez deux fois, attends, voilà, ça apparaît que c'est un terrain de la communauté au fait. Donc ça veut dire qu'on peut passer vos Sims dessus. Si vous voulez mettre votre maison, il y a par exemple celle-ci, voilà. Donc voilà, ce terrain peut être utilisé dans le quartier, donc c'est une résidence romantique, voilà. Voilà, donc tant que c'est marqué inoccupé, vous pouvez mettre vos Sims dedans. Ou soit, si vous ne préférez pas avoir deux maisons, vous pouvez choisir vos terrains. Hein, du terrain minuscule 3×1 jusqu'à grande taille immense 5×6. Bon. Vous imaginez, c'est une très grande maison, une villa, si je peux vous dire. Ensuite, après, vous avez pour bouger les maisons, vous avez pour déplacer les points dans le catalogue, vous avez 8 dosers pour tout raser, c'est ce qui est nécessaire. Ici, vous avez les décorations pour décorer votre quartier. Bon, par exemple, j'en ai tout ce qui vient ici. J'ai mis des arbres, j'ai mis des petites fontaines. J'ai mis ça, par exemple. Voilà. Et vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez les placer. Si vous voulez changer, vous pouvez faire ici, hein, d'accord. Donc voilà, vous pouvez choisir les pierres, tout ça. Voilà. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez utiliser le pipette pour copier l'objet que vous voulez. Voilà, comme ça évitera donc que vous cherchiez si jamais vous avez mis les objets. Ensuite, après, il y a l'histoire du quartier. Donc voilà, donc ça c'est le mien. Hein. Donc je vous montre à peu près ce que j'ai fait. Voilà, bon, j'ai gardé l'ancienne photo. Donc voilà, normalement le quartier ressemblait à ça. Mais maintenant j'ai plus ça. Il faut que je refasse une photo après du nouveau quartier dès que j'en aurai mis.
Et ensuite, après, vous avez les options pour revenir au menu principal ou quitter le jeu, et quelques objets pour régler votre graphisme. Bon, bref, c'est pas ça que moi que je vais vous montrer, les amis. De toute manière, vous avez aussi un icône pour faire capturer jour et nuit. Là, je vais passer en nuit par exemple, et je repasse en jour. Voilà, voilà, voilà pour le commencement, les amis. Donc, pour comment ? C'est bah déjà, je vais sélectionner Inter. Quelque chose de pas compliqué. Ah, ça me paraît un peu gros ce que j'ai pris. Ah, ça c'est parfait. Donc, je prends celle-là. Et voilà, et vous sélectionnez où est-ce qu'il y a. Alors, s'il y a zone verte, ça veut dire que vous pouvez la placer. Si c'est zone rouge, ça veut dire que vous ne pouvez pas la placer. Si vous appuyez sur. Si vous maintenez clic gauche, vous pouvez tourner dans le sens où se trouvera votre terrain. Voilà, par exemple, moi je vais le mettre ici. Ensuite, vous pouvez choisir si c'est résidentiel pour vos sites qui va viser ou si c'est intérieur à la communauté que vous voulez créer. Ensuite, après, vous saisissez votre nom de terrain. Alors, moi par exemple, je vais inventer 45 rue. Ah, si la souris pour éviter de bouger, ça m'arrangerait. Rue de. Ah, je crois que j'ai fait trop d'espace. Alors, 45 rue de l'antenne. Voilà, et une fois que vous avez créé votre petit nom de quartier, vous appuyez sur OK. Et voilà, votre terrain est accessible. Vous pouvez voir le prix, combien ça coûte au départ. Par exemple. Et ensuite, vous appuyez sur Issue. Vous appuyez aussi accéder au terrain pour commencer à construire votre terrain communauté ou votre maison résidentielle que vous pouvez faire habiter vos Sims. C'est beaucoup de choses qu'on parle les amis, mais bon, il faut absolument qu'on rattrape tout. Donc tout ça. Donc voilà à quoi ça ressemble le terrain. Alors je vous rassure, je ne vais pas le laisser comme ça hein, les amis. Hein. Donc il y a deux modes. Vous pouvez choisir le mode achat pour remettre tous les aménagements à l'intérieur de la maison et le mode construction pour construire votre maison. Alors la première chose que je vais commencer à faire, c'est sélectionner la verdoyance. Alors il faut faire terrain, ensuite c'est la pelouse. Et là vous pouvez choisir la zone que vous voulez mettre de votre petit terrain. Alors, moi je choisis grande et je vais choisir ça. Et ensuite après vous pouvez éparpiller toute la zone en faisant clic gauche et en maintenant. Voilà. Comme ça, on verra mieux notre terrain. Ah, les amis, si je couvre tout. Alors, voilà à quoi ça ressemble notre terrain. Parce que je ne vais pas laisser en terre, sinon après vous n'allez pas voir comment on allait faire. Alors, vaut mieux qu'on la colore un petit peu. Comme ça, on voit comment on fait notre quartier. Voilà. Voilà, 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 voilà. Alors, en plus, j'ai mis le truc à l'envers. Voilà. Et voilà, vous pouvez également aussi. Alors si jamais, mes amis, si jamais vous passez votre terrain sur une surface qui est plutôt lourde et qui a plutôt un petit pas, vous pouvez appuyer ici pour aplatir le terrain. Donc du coup, tout va complètement aplatir. Voilà. Pour que ça redevienne comme avant, si jamais ça vous fait des petits bosses comme ça que vous pouvez rien installer. Donc ensuite, après avoir fait la pelouse, je vais vous montrer comment on fait les outils murs. Alors, il y a deux options les amis. Soit vous pouvez prendre les fondations de terrasse, fabriquer votre maison sur un petit truc, ou sur une terrasse qui est déjà mise dessus avec un jardin. Voilà, ça dépend de vous. Alors voilà, je vais vous montrer comment par exemple ça fonctionne. Voici une fondation de terrasse, donc voilà. Donc tant qu'il y a du vert, je vous ai dit, ça veut dire que vous pouvez installer. Une fois dès que vous atteignez le rouge, voilà par exemple, et ben c'est hors limite, ça veut dire que vous ne pouvez pas installer au-delà de cette zone. Voilà. Et une fois que vous avez pris votre terrain, voilà, je prends une démonstration, les amis. Voilà, vous lâchez le clic gauche et vous l'enlevez. Alors, pour enlever, si jamais vous faites une bêtise, vous appuyez sur la touche CTRL. Vous savez que moi, je sais pas comment on prononce ça, parce que moi, c'est le vocabulaire, c'est pas mon truc. Et ensuite, vous appuyez avec le clic gauche et regardez, ça se transforme en bulldozer votre icône. Et vous passez sur ce que vous voulez supprimer. Ensuite, après, vous lâchez. Et hop, ça supprime tout seul. Voilà. Facile. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc, c'est assez très, très simple à faire, les amis. Donc, les amis...
Donc on se retrouve tout de suite juste après parce que je vais me mettre fin à cette vidéo. Bah oui, hein. Ce n'est pas parce que je recommence les Sims 2, les amis, que je vais faire plus de temps vidéo. Non, vous me connaissez très bien. Donc on va s'interrompre là quelques instants, les amis. Je mets en enregistrement la vidéo dans mes playlists et après on se retrouve tout de suite juste après pour une seconde vidéo. Allez, à tout de suite les copains.